Bonjour Pierrot. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui c'est ton truc, le truc du chef que tu vas nous donner. Ah aujourd'hui ouais. C'est un petit truc. On va faire le saumon grillé au beurre blanc. Et le petit truc c'est comment monter le beurre blanc. Parce que c'est pas évident, ça paraît tout simple et il faut le faire. On a besoin de 4 tranches de saumon de 150 à 180 grammes que votre poissonnier à la rigueur avec amour va vous découper. Pour le cuire on aura besoin de 50 grammes de farine pour passer le saumon dans la farine et 2 petites cuillères d'huile pour mettre sur notre grillade. Il nous faut avec ça du riz, puisqu'on va faire un petit riz pilaf, le véritable riz pilaf. Donc j'ai besoin de 200 grammes à 250 grammes de riz long sauvage. Parce que là, on a pris un petit riz sauvage pour faire bien, ramener un petit peu de couleur dans notre plat. Ça va être très chouette. Un gros oignon haché. 50 grammes de beurre. Un petit bouquet garni qui va nous faire avec amour, avec du thym, du laurier, des feuilles de poireau, un clou de girofle et quelques queues de persil. Voilà, ça c'est pour notre riz pilaf. Le petit beurre blanc, il nous faudra 2 échalotes grises, 150 g de beurre, 2 petites cuillères de crème fraîche, ou des grandes, on verra au bon moment, comme d'habitude, 1/2 dl de vinaigre, 1/2 dl de vin blanc, du sel, du poivre. Pour la garniture, il nous faudra 2 citrons qu'on va canneler et de la ciboulette qu'on va émincer au dernier moment. Et ben voilà, on a tout pour démarrer. Alors, pour faire un riz pilaf, il faut un petit peu de beurre, à peu près 50 g de beurre. Tu peux mélanger de l'huile ou seulement du beurre? Ah non, du beurre. Hein, pour faire le riz pilaf, le beurre. Mais sans coloration, il faut qu'il fonde. Et on va donc mettre notre oignon dans le beurre, le faire simplement colorer. Voilà, tu vois là, ouais, il blondit. Hein, pas de coloration surtout. Là, c'est le vrai riz. Hein, on met le riz. Donc, ouais, mélanger. Il y a 200 g, donc ouais. C'est du riz. Du riz sauvage. Brun et blanc, hein, oui. Voilà. Et on va touiller pour que le beurre enrobe les grains de riz. Et je vais mouiller à 2,5 fois son volume d'eau. Comme j'ai vu avant que ça faisait 300 grammes, ça fait à peu près un tiers. Donc je vais mesurer à peu près jusqu'à 7 là, et on aura 2,5 volumes. 2,5 volumes. Voilà, je mets mon eau. Voilà, pas oublier de mettre du sel. Et pendant cela, tu vas me préparer mon bouquet garni. Avec la feuille de poireau, le thym, le laurier, le persil et des clous de girofle. Elle n'a rien oublié. J'ai rien oublié. Oh, voilà. Et elle m'a mis un petit ficelle. Alors là, voilà le bouquet garni. Comme on met quand on dira le bouquet garni, souvent sera un petit bouquet comme ça. Hein. On le met là, on l'attache ici pour ne pas le paumer, mais ici on l'aurait retrouvé. Oui. Mais ça, c'est la base de la cuisine, son petit bouquet garni attaché avec le ficelle. Hein, voilà. C'est encore un petit truc à toi. Ouais, non, là, c'est pas moi, c'est Escoffier qui a trouvé ça avant moi. Même du temps de Louis XVI, faisait déjà des bouquets garnis. Louis XIV, pardon, parce que Louis XIV aussi faisait de la bonne cuisine. Je vais réduire mon gaz, voilà, pour qu'il mijote tout doucement. Oui. Il va cuire à peu près pendant 20 minutes et je remets tu mon couvert. Hein, ouais. On ziotera dessus entre deux. D'accord. Pendant ce temps-là, on va préparer son petit bain-marie pour faire notre beurre blanc. Alors, le petit truc pour le beurre blanc. Normalement, pour faire un beurre blanc, si on met le beurre à fond, on va trop vite, il se décompose. Il y a le petit lait, il y a le beurre, tout ça, ça ne se mélange pas. Nous, on va d'abord faire une petite réduction de vinaigre, de vin blanc et avec l'échalote pour simplement cuire un petit peu l'échalote. Donc, ça, c'est la petite réduction. Bon, 1/2 dl de vin blanc et du vinaigre blanc. Pas prendre du vinaigre rouge, toujours pour garder le beurre blanc. Il faut attendre que ça boue. Voilà, je vais mettre mes échalotes. Ça, c'est pour donner le goût au beurre blanc, ce petit goût acide. C'est les échalotes, le vinaigre et le vin blanc. Et on va faire réduire de moitié. Je vais ajouter les 2 petites cuillères de crème fraîche. C'est un peu le truc aussi, ça, la crème fraîche. Voilà le truc. Ouais. Tout de suite, ça va lier et on va faire bouillir avec la crème fraîche.
On va laisser pareil, évaporer un petit peu pour que la crème, elle s'épaississe. Je jongle avec mon petit gaz. Là, on a le riz qui sent avec l'oignon, les échalotes avec le vinaigre. La crème commence à se réduire. Ouais. Le vinaigre aussi. On va pouvoir incorporer notre beurre tout doucement. Mmh. Par petites nichettes. C'est là que tu vas me donner un petit coup de main, regarde. Des petites noisettes. Tu prends avec le couteau et tu mets des petites noisettes petit à petit. On va en mettre à peu près 150 grammes pour 4 personnes, 150 grammes. Et voilà, au bain-marie, tout doucement. Voilà, tu peux mettre. Comme la mayonnaise. Voilà, hein? Et on monte son beurre blanc. Et regarde comme il devient beau lié. Ouais, il est beau. Pas de farine, rien, rien que le beurre. Et tout ça grâce au bain-marie et à la crème. Allez, une petite dernière. Voilà. Allez, la petite dernière, la Michette. Voilà. Et voilà. On dirait qu'il y a de la farine, qu'il y a des œufs, mais non, c'est rien que le beurre qui est comme ça. Le beurre blanc est fait. On va le laisser sur le côté. Et on va s'occuper de notre saumon et de notre grillade. Le riz, on va le remettre un tout petit peu à cuire. C'est pas encore évaporé, non? Voilà. Mais il doit commencer. Voilà. Il commence à se lier. Donc, on va le cuire sans couvercle maintenant pour faire évaporer. Je vais aller chercher mon saumon. Alors là, j'ai pris un filet de saumon. Je l'ai fait lever par mon poissonnier. Comme ça, il le lève, il enlève les arêtes. Moi, je vais le couper comme ça, un petit pavé de saumon pour cuire sur ma grillade qu'on va prêter à chauffer. Tu mets de la matière grasse dedans? Voilà. Ouais. Mettre un peu d'huile. Je vais prendre mon papier absorbant. Voilà, simplement donner un petit coup à ma grillade. Mon beurre blanc y est prêt. Mon riz est en train de finir de cuire tout doucement. Et le gris chauffe. Et le gris chauffe. J'ai deux pavés d'à peu près 150 grammes. Peu de choses près. Hein. Voilà. Sans arrêt. Ça, c'est pour nous, sans arrêt. Attends un peu, attends. Moi, j'ai un truc. J'ai un truc, regarde. Tu les mets dans un sachet, en plastique ou en papier, puis tu les mets dedans. Vas-y. Ah, c'est un petit truc aussi. On a chacun son truc. On a chacun son truc. Parce que souvent, moi, je fais ça, mais évidemment, je me fais engueuler parce que j'en mets partout. Tu vas moins salir avec ça. Alors. Je range mon petit matériel, alors, de farine. Voilà. Ah, ben c'est bien. Et après, tu peux jeter, tu vois, tu n'as rien sali. Ah bon, ben voilà, chacun son truc, hein, ben voilà, c'est bien. Pendant que mon gris chauffe, il ne me reste plus qu'à préparer mes citrons. J'ai déjà commencé comme ça, pour faire la petite décoration, mais... Tu vas me montrer. On prend avec son couteau, on enfonce jusqu'au bout, comme ça, voilà, et un petit dessin. Un peu comme les petits flamands, ils faisaient avec les betteraves. Voilà. On a nos citrons. Tout bête. Je peux peut-être préparer la ciboulette. Ouais, tu peux commencer à faire la ciboulette. Voilà. Mon gril est bien chaud. J'éponge bien l'huile qu'il y a dessus. Et je vais poser mon saumon sur le gril. Et le voilà parti qui grille. Combien de temps le saumon alors? Alors le saumon... On va le laisser cuire en principe, hein. On va voir comment il va cuire. Ça va cuire 3-4 minutes d'un côté, on le retourne et 3-4 minutes de l'autre. Pas trop cuit. On l'assaisonnera avec du sel et du poivre, toujours après qu'on l'a retourné. Toujours les mêmes principes, un peu comme les viandes. Ben c'est bien, l'eau elle s'est évaporée. Voilà, alors l'eau s'est évaporée, on va le mettre un peu sur le côté. Mon saumon il grille, notre couvercle est toujours là. Et on va refaire tout doucement. Chauffer le beurre blanc. Le petit beurre blanc. On va finir le riz pendant ce temps-là. Oui. On va rajouter un petit morceau de beurre frais. Je vais enlever mon petit bouquet garni. Et tu vas mettre un petit morceau de beurre frais. Voilà. Ah, le saumon, il est bien là. Voilà, je retourne mon saumon. Voilà.
et je vais mettre mon sel et mon poivre. Alors évidemment, si tu as un barbecue, oui, avec le feu, le charbon de bois, ça va beaucoup plus vite. Mm-hmm. Hein, c'est quand même une température très élevée, donc il faudra faire attention. Pas que ce soit trop cuit, surtout. Voilà. Hein. Donc tu vas mettre ta petite ciboulette dans mon beurre blanc, parce que nous allons l'aromatiser avec la ciboulette. Voilà. D'accord. Et le colorer. Et le colorer. Pendant cela, je vais préparer mon riz. T'as ma petite saucière? Tu veux que je verse? Ah, ouais, ça va aller. Mmh. J'enlève ça parce que ça fume quand même. Alors là, c'est un plat vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Regarde si c'est joli comme tout. Ah, l'assiette est bien chaude, faut faire attention de ne pas se brûler. Bon, on va aller déguster tout ça. Hop. Appétissant. Hein? Alors, il n'y a plus que la petite sauce à mettre. La sauce que c'est mon copain Philippe Bancard qui m'a donné l'idée de faire ça avec la ciboulette, mais je crois que ça va donner un bon goût. Alors, ce qu'il faut, je vais le mettre le long de l'assiette maintenant. Mmh. Pour ne pas te mettre dessus quand même. Regarde si ça va être beau, le verre, voilà. On aurait pu le mettre en partant, mais il faut mieux le mettre au dernier moment à table pour que ça refroidisse moins. Tu peux le servir avec d'autres poissons aussi. Oui. Avec le col turbo, avec le brochet. Mmh. Eh bien, Isabelle, goûtez-moi ça.